coucou mes petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour le haul numéro 2. Je suis d'abord passée à Sephora, j'y ai acheté des lingettes démaquillantes à la grenade qui sentent vraiment très bon. Puis pour celles qui ne se maquillent pas comme moi avec du fond de teint, j'ai opté pour un savon qui purifie, qui exfolie, qui hydrate et apaise. Donc comme vous le voyez, c'est un petit peu chiant à ouvrir. À savoir que ça s'utilise comme un savon, il suffit de se mouiller les mains, de passer sa main dessus, de mettre sur le visage et ensuite de rincer. Nous avons ensuite une crème pour les mains, Flower Power, et un gel désinfectant Chéri Chéri de la marque Merci Andy. Bon, bien évidemment, j'ai craqué pour un liquide lipstick de chez Kat Von D. La teinte, c'est Witches, un très beau noir. À savoir qu'il faut quand même le laisser poser, parce que sinon, ça sera pas tout de suite mat, de une, et de deux, vous risquez de vous en mettre partout. Après une bonne demi-heure de séchage, voilà le résultat. Pour démaquiller, je vous conseille des lingettes démaquillantes. Bon, la marque Sephora fera très bien l'affaire et en plus, ça sent super bon. Car j'ai tout essayé, les démaquillants, au micellaire et tout, et rien n'y a fait. À bien frotter et à bien démaquiller, les lingettes, c'est très bien. J'ai opté aussi pour un gommage corps de la marque Sephora à l'extrait de cranberry et au lait de coton. Comme vous allez le voir, j'ai ouvert juste pour voir l'aspect. C'est juste un petit peu granulé et l'odeur sent super bon. J'ai hâte de tester. Je suis ensuite passée chez Nocibé. J'y ai acheté un pinceau pour les sourcils, pardon. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un et je suis vraiment contente de pouvoir l'avoir trouvé. Et avec leurs odeurs, Nocibé, depuis le temps que je me dis que je vais en acheter, j'ai voulu tester la bougie de massage. Ce qui est avantageux, c'est qu'il y a un petit bec, ce que je trouve plutôt pas mal. J'ai hâte de pouvoir tester et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Puis passé à Maison du Monde, j'y ai acheté une bougie. Maison du Monde, de toute façon, c'est un magasin qui me fait craquer à chaque fois que j'y vais. Donc une jolie petite bougie, l'odeur je pourrais pas vous dire, parce que je trouve que ça sent bon, mais je n'ai pas trouvé c'était quelle senteur exactement, ce n'est pas marqué. Et j'y ai acheté un petit notebook pour pouvoir noter mes idées vidéo, mes projets, un petit peu tout. Je trouve assez sympa, il est simple et puis en plus il y a un petit rangement pour les cordes, c'est assez sympa je trouve. Je suis passée à Claire's, j'ai trouvé une trousse de voyage bon, qui me servira sûrement de trousse de toilette, mais bon, j'en avais pas d'aussi grande et c'est assez sympa. J'y ai rangé bien sûr ce que j'ai fait comme achat à Claire's hein, dedans pour vous montrer. Donc dedans on va avoir un top coat mat, donc en fait à poser sur votre vernis pour le rendre mat. Je n'ai pas encore testé mais je vous posterai des photos sur mon Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez voir le résultat. Un vernis à ongles phosphorescent, comme vous pouvez le voir, je le porte actuellement, donc il se voit dans la nuit. Savoir qu'il faut quand même 3 à 4 couches pour obtenir le résultat que j'ai sur les ongles. Et des petites boucles d'oreilles pendantes en croix. C'est un petit peu mon style, j'ai bien aimé et puis j'ai craqué. Je suis passée à Micromania parce que ce mois-ci c'est l'anniversaire de mon mari.
Donc j'ai acheté Rush of Blood, uniquement pour les PlayStation VR. Hein, faites attention à ça quand vous achetez un jeu. J'ai acheté Doom depuis le temps qu'il m'en parle, voilà, il pourra y jouer. Et lui qui est fan de Star Wars, je lui ai acheté deux pop. Un de Dark Vador de la série Rogue One et un de Princesse Leia de Star Wars normal. Et donc pour les fans de moto, ça vous pouvez le retrouver à Leclerc dans le rayon livre pour 12€ à peu près. Donc petit clin d'œil à Exox Scorpion, si vous passez par là, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est un tapis de souris et un livre sur les motos. Lui qui est fan devrait aimer, je pense. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!